Hello, bonjour à tous. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien. Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Ça me fait très plaisir. Et puis bien sûr, merci beaucoup pour tous les autres pour leur fidélité. Voilà. Comme d'habitude, avant toute chose, voilà, nous ne sommes pas sur une guidance privée, nous sommes sur une guidance générale. Tous les messages ne peuvent pas toujours vous correspondre. Voilà, il faut des messages pour tout le monde. Donc vraiment, c'est très important. Prenez du recul par rapport aux messages que je peux vous donner. Et voilà, ne prenez uniquement ce qui résonne en vous. C'est très, très important. Voilà. Écoutez, c'est parti. On va commencer. Voir un petit peu les énergies pour aujourd'hui. Je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais c'est triste chez moi. C'est gris, il pleut, il y a du vent. Bon, on avait eu des belles journées ensoleillées avec des hausses de température. Bon, ben voilà, ça change, hein. Ça ne pouvait pas durer, forcément. Cette saison aussi, ça, hein. Voilà. Et puis de la pluie, il en faut. Allez, s'il vous plaît, mes guides, y a-t-il des messages à me faire passer pour toutes les personnes? Ouf, alors, oh ben, on commence bien le tirage. Voilà, nous avons le miroir magique. Voilà, donc c'est une très belle carte. Donc là, on nous parle vraiment d'une protection divine. Voilà. Bah, on démarre super bien, quoi. Ça fait plaisir, on va voir la suite du tirage. Mais commencer par cette carte, bon, bah écoutez, hein, c'est une magnifique carte. Donc, quoi dire de plus pour commencer? C'est rare, hein, que je commence voilà, avec une carte comme celle-ci. Elle est censée annuler toutes les mauvaises cartes autour. Donc, écoutez, elle va annoncer, je l'espère, alors la réalisation des prochaines cartes qui vont suivre. En tout cas, je l'espère. En tout cas, il y a une protection, voilà, une protection divine. Voilà, donc on va la mettre ici, s'il vous plaît. Y a-t-il? Ouh! Alors, donc là, on nous parle d'un carrefour. D'un carrefour, donc il y a une décision à prendre. Voilà, il y a plusieurs possibilités sur une situation. Qu'elle soit amoureuse ou professionnelle, on va voir la suite. Mais en tout cas, vous devez choisir le bon chemin pour vous. Il faut se mettre voilà, en action, faut prendre une décision, hein. Il va falloir prendre une décision. Ok, on a celle-ci. Donc, la carte sexualité. Donc on a des désirs charnels. Alors que là, que ce soit vous ou votre autre, hein, il ne faut pas hésiter à échanger les énergies par rapport au message que je vous envoie. Mais là, on doit se décider, prendre une décision concernant une attirance, voilà, très charnelle envers quelqu'un. En tout cas, on a envie. Voilà, de prendre ce chemin pour retrouver l'autre, hein, pour avoir voilà ce rapprochement, ce désir qu'on a envers cette personne. Allez, s'il vous plaît, mes guides, y a-t-il d'autres messages à me faire passer pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo, s'il vous plaît. S'il vous plaît, mes guides. Allez, y a-t-il d'autres messages? En tout cas, avec le miroir magique, voilà, qui a commencé comme ça au niveau du tirage, en tout cas, il y a de fortes chances que ce que vous désirez pour ce rapprochement vers cette personne, la décision, quelle qu'elle soit, que vous allez prendre, apparemment, ben voilà, vos voeux vont être exaucés avec cette première carte, hein. D'accord. Alors, ouais. Donc là, on nous parle de clairvoyance avec cette carte.
Vous avez de l'intuition, vous avez une clairvoyance qui s'est développée, vous voyez les choses, en tout cas vous pressentez les choses à l'avance, vous sentez qu'un événement, quelque chose arrive, vous voyez, ouais, vous ressentez les choses arriver. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui s'est développé chez vous, dans une situation où vous allez voir en tout cas les choses différemment, parce que maintenant vous êtes, vous faites beaucoup plus attention à vos ressentis. Voilà, vous êtes beaucoup plus sensible à ça. Peut-être que vous voyez comment ça vous parle, peut-être que vous l'étiez peut-être pas avant, mais maintenant, voilà, c'est différent. Et avec cette carte, voilà, examen, bah écoutez, vous allez réussir en tout cas dans quelque chose. Vous allez, enfin, je dirais pas célébrer, mais il y a une réussite, il y a quelque chose que un travail qui a été fait, qui a été, ouais, qui a, un travail qui a été fait, voilà. Et du coup, ben, vous réussissez, vous allez réussir. Y a un succès là, il y a quelque chose, c'est voilà, on nous parle, voilà, concrètement cette carte c'est des examens, donc oui, ça peut effectivement, si vous avez passé un examen, avoir le diplôme, mais là avec les cartes précédentes, on nous parle vraiment d'une relation, voilà, avec une relation avec des désirs charnels, quoi. Donc il y a une relation, il y a quelque chose, et cette clairvoyance par rapport à cette relation, vous la voyez différemment, et c'est la réussite. C'est la réussite, ça, sur cette façon de voir les choses. Et puis vous voyez en dos de deck, on a la victoire. Donc on nous le confirme, il y a la victoire sur quelque chose, sur une relation. En tout cas, cette décision, ce chemin que vous allez prendre, ben, va vous permettre de réussir, en tout cas, sur ce que vous désirez. Oups, alors. S'il vous plaît, mes guides, oh, j'en ai trop, j'en ai trop. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Alors, ouais, j'en ai encore beaucoup trop, je ne vais pas les prendre, hein. S'il vous plaît, mes guides, y a-t-il d'autres messages à me faire passer pour toutes les personnes? Alors, d'accord. Alors, donc là on nous parle avec cette carte de l'enfant. Ouais, vous allez voir les choses maintenant avec beaucoup plus de légèreté, que beaucoup plus. On peut nous parler vraiment d'un côté vraiment enfant, puéril. Mais là, ce que je ressens, c'est ouais, avec de la légèreté, de la souplesse dans une situation vraiment. On va se. Ouais. Moralement, on sera ouais, comme un poids, enfin, on sera beaucoup plus léger, on va pouvoir, ben, c'est après la victoire, la réussite, ben, c'est bon, on souffle, quoi. Cette situation, cette relation, voilà, on peut enfin ben, s'amuser, hein, vous voyez, c'est comme ces petits enfants, là, c'est l'insouciance, on se pose plus trop de questions, là, on se laisse vivre, on n'a plus ce poids qui nous submerge, en fait. On est, voilà, on est bien, on profite. On profite de l'instant, du moment présent. Et puis, bon, ben, après, le reste, voilà, on verra bien. C'est un peu, voilà, ce sera cet état d'esprit, en tout cas. Voilà, avec la carte de l'amitié, ben, ouais, ça nous confirme, en tout cas. Pour certains, vous pouvez vraiment avoir du coup un entourage, être très entouré par rapport à vos amis. Mais là, je dirais que c'est plus ouais, le côté on va profiter, quoi. On va profiter, on a plus confiance. Ouais, on sera beaucoup plus confiant sur une situation, en fait. Ouais, c'est ce que je ressens, en tout cas. On va voir la suite du tirage. Allez. Ouais, vous voyez en deux decks, j'ai ça aussi. Donc, le cadeau, ça va être quelque chose, ouais, qu'on va vous.
qui va arriver. Et ça va être un cadeau pour vous. Ça va être, voilà, une satisfaction, un cadeau, voilà, pas forcément matériel, une satisfaction, vraiment un cadeau, quelque chose où à l'intérieur de vous, vous allez vous sentir plus léger, en tout cas. S'il vous plaît, mes guides. Alors là, on nous parle de l'enfermement, ouais. Donc, on peut parler, alors, soit vous, soit l'autre, il y a eu, dans une situation, un enfermement. Ouais, quelqu'un qui s'est replié sur soi, qui s'est senti, ou qui se sent peut-être encore, triste, isolé, et qui s'est replié sur soi-même. On peut nous parler comme une dépression, on peut nous parler de manque de confiance, on peut nous parler de... Ouais, il y a eu un enfermement et ouais, on s'est senti seul, isolé, triste. Ouais. Ouais, avec ça aussi, le bouclier. Ouais, on a voulu se... Cet enfermement, c'était pour se permettre aussi, voilà, se permettre de se protéger avec ce bouclier, que plus personne peut nous atteindre. On a dû souffrir dans une relation, dans une situation, et on a préféré vraiment s'isoler pour se protéger, pour se protéger de quelque chose, enfin en tout cas d'une relation, d'une situation. Allez, s'il vous plaît, mes guides, y a-t-il d'autres messages à me faire passer, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Y a-t-il d'autres messages à me faire passer? En tout cas, là, si c'est pas actuel par rapport à cette première ligne de carte, avec ce miroir magique, si c'est votre souhait, en tout cas ce rapprochement, ce désir que vous avez envers cette personne, bah vous voyez, ça, voilà, il va y avoir un succès, il va y avoir quelque chose, ça va y avoir des vœux qui vont s'exaucer, qui vont, voilà, il y a quelque chose qui va changer en vous, hein, ouais, il y a un changement avec cette, voilà, cette carte de clairvoyance. Maintenant, vous allez voir les choses différemment, vous les voyez, vous les sentez, en tout cas, vous allez les sentir si ce n'est pas encore le cas, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, ouais, il y a vraiment quelque chose, une réussite dans une situation. S'il vous plaît, mes guides, allez, y a-t-il d'autres messages pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo? Voilà. Il y en avait une qui a failli sauter, mais... Ah, ouais. D'accord. Donc là, on nous parle avec cette carte, une carte, la loi, et l'homme. Alors, avec la carte de l'homme et la loi, ouais, il y a eu comme... on nous a jugés. Dans une situation, ouais, on nous a jugé. Alors, il peut y avoir aussi une sorte, avec cette carte, d'influence aussi, un homme qui aurait pu, voilà, ou une femme, hein, n'hésitez pas à échanger les énergies selon si vous êtes un homme et une femme, hein, mais qui aurait été influencé peut-être par rapport à une situation, et comme si, voilà, mais il y a la loi, enfin voilà, cette situation, ce jugement, cette influence que je ressens, c'est ça qui vous a rendu dans cet état, voilà, avec cet enfermement. Mais la carte de l'homme peut montrer aussi, voilà, c'est la masculinité, c'est la force, mais là, je ressens plus une sorte d'influence sur une situation. On va voir la suite. Ouais, vous voyez, en tout cas, pardon, en dos de deck, j'ai la culpabilité, comme si, voilà, la loi, on aurait pu montrer du doigt ou parler sur vous. Elle a été, ouais, il y a quelque chose comme ça, a été influencée. En tout cas,
on vous a montré du doigt comme si on vous montrait coupable. Enfin voilà, vous voyez, c'est la loi, la culpabilité. Et en suivant comme ça, je me dis que, ouais, comme si on vous a... Ouais, on vous a montré du doigt, on a parlé, c'est ce que je ressens. Ouais, la culpabilité, la famille, on va voir la suite. S'il vous plaît, mes guides. Oups, elle a volé celle-ci. Ouais, bah vous voyez, accusation. Donc voilà, c'était bien mes ressentis. On vous a accusé de quelque chose. En tout cas, on a parlé sur vous. Avec la carte aussi de l'homme, il y a eu une influence sur quelque chose. Sur une situation, qu'elle soit amoureuse. Moi, je dirais plus amoureuse avec cette carte, avec la sexualité. On est plus sur un tirage sentimental, là. C'est ce que je ressens. Ouais. Vous n'avez pas compris ce qui se passait. Vous ne comprenez pas pourquoi, vous n'avez pas compris. Là, ça vous a... C'est pour ça qu'il y a eu ce repli, cet enfermement. On vous a accusé de quelque chose. Pourquoi elles ont parlé, ces personnes-là? Ouais, et on parle de vous avec cette carte miroir magnétique. On parle du consultant, la consultante. On vous a accusé de quelque chose. On a parlé sur vous. Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? S'il vous plaît, mes guides. Est-ce qu'on peut en savoir plus, s'il vous plaît? S'il vous plaît. D'accord. Alors. Ouais. Là, avec la carte. J'ai la carte des rêves. Excusez-moi, je vous la montre. Et j'ai le retard. Alors. Là, avec la carte des rêves, en tout cas, vous... Ouais, puis il y a comme... voilà, ça a beau être le rêve, mais vous voyez, quand je regarde, il y a ce serpent. Là, on peut faire effectivement des rêves, comme on peut faire des cauchemars. Ça, ouais. Il y a eu du retard sur une situation. En tout cas, comme si le temps avait été figé, moi, je ressens. Comme si tout s'était arrêté, vos rêves en tout cas, ouais, c'est ça. C'est ça ce que je ressens. Ça vous a coupé dans quelque chose, vous deviez peut-être vivre quelque chose de beau avec quelqu'un. C'était beau, c'était voilé avec le côté... ouais. Et là, avec la carte du retard, c'était, ouais, ça c'est comme si ça s'était stoppé. Vos ambitions, vos rêves, vos projets, ben tout ça, là, avec ces accusations, des personnes qu'on blablatait, là, ben du coup, ça a coupé tous vos projets. Les ambitions, ce que vous projetiez, pardon, avec quelqu'un. C'est ce que je ressens. Allez, s'il vous plaît, mes guides, y a-t-il d'autres messages à me faire passer pour toutes les personnes? Alors, ah, bah écoutez. Voilà, bon, écoutez, on a ces deux cartes qu'on sautait en même temps. Là, on a le retour. Donc, on souhaite un rapprochement, en tout cas. On souhaite un rapprochement. J'ai pas dit qu'il y allait avoir un rapprochement. Vous voyez, j'ai dit qu'on souhaite. Alors que ce soit vous ou l'autre. Donc, on ne confirme pas spécialement ce retour. Mais par contre, avec cette carte de la réunion, là, je dirais que ça serait plus, oui, un rendez-vous, une réunion. Ouais, un rendez-vous, ouais. C'est ça surtout, un rendez-vous pour pouvoir discuter, pour pouvoir parler. Alors que ce soit vous ou l'autre, il y a quelqu'un qui souhaite parler, qui souhaite revenir, qui souhaite avoir un rapprochement avec vous, qui souhaite un retour pour, en tout cas, il veut... Cette personne, elle voudrait discuter avec vous d'une situation. Ouais.
voyez comment ça vous parle. Mais ouais. Et j'ai encore la carte du temps en dos de deck là. Ouais. Alors, je sais pas pourquoi j'ai dit encore. Mais comme si. Ouais, parce que ça a été long. Je pense qu'il y a une situation qui est longue. Ça a pris du temps, cette histoire, c'est ça, avec le retard là. Ça prend trop de temps. Ça prend trop de temps. Il y a ça. On se demande même si, si finalement il y aura un retour finalement avec tout ça. Tellement ça prend de temps. Je crois que, vous voyez, là c'est. Ouais, c'est longué là. C'est longué, c'est très très long. Et ouais. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ouais. L'instabilité. Je vais mettre là. L'instabilité. Ouais, il y a quelqu'un qui ne se sent pas bien émotionnellement. Bah, de toute façon, la carte, elle le dit. Hein. Vous voyez, c'est écrit. Cycle intellectuel, cycle physique, cycle émotionnel, voilà, ça vous a déstabilisé cette situation. Ouais, mais je pense aussi que même si vous avez un retour, ça risque aussi de vous déstabiliser, on me dit. Parce que ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Là, en dos de deck, j'ai étranger. Alors, soit c'est pour certains, ça peut être vraiment quelqu'un qui se trouve à l'étranger, en tout cas assez loin. Mais, ou alors avec des origines étrangères. Ouais. Mais ouais, ça vous a complètement déstabilisé. Mais je ressens aussi que si vous êtes amené à revoir cette personne, ça risque aussi de vous déstabiliser. Il y aura trop d'émotions. En même temps, ça a tellement, avec la carte du temps, le temps s'est écoulé tellement, enfin voilà, je ressens comme des saisons qui sont passées comme ça, plusieurs saisons, que là, bon ben. Peut-être qu'on ne croit pas forcément à un retour, mais en tout cas, c'est pas ce que les cartes nous disent. En tout cas, il y a, on souhaite un retour. Alors, vous ou l'autre personne, voyez comment ça vous parle. Mais on souhaite un retour. Et il y a comme une sorte de rendez-vous, comme si on allait voilà, se mettre autour d'une table, discuter d'une situation, parler de ce qui s'est passé. On a besoin de ça ou l'autre a besoin de ça pour éclaircir quelque chose. Voilà ce que je ressens. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Y a-t-il d'autres messages? Alors, donc là on a la carte compromis et la joie. Bon, bah, vous voyez, là les cartes en suivant comme ça, on va faire des concessions, des compromis. En tout cas, suite à ce rendez-vous qu'on a pu voir, cette ouais, cette réunion, ce retour, discuter avec la personne, c'est ce qu'on souhaite. On aimerait, en tout cas, on le souhaite, que ce soit vous ou l'autre personne, souhaite trouver un accord. Ouais. Faire une concession sur quelque chose, faire des concessions sur quelque chose, prendre sur soi et discuter, trouver un accord sur une situation. Et en tout cas, ça. Cette carte, voilà, ça va permettre justement d'être en joie, de célébrer quelque chose. Ouais. Vous allez célébrer quelque chose. Alors après, voilà, on a tous notre libre arbitre, tous le choix. Mais si il y a effectivement un retour d'une personne. Là, on nous dit vraiment que vous allez célébrer ce retour.
Alors, c'est pas forcément, voilà, la carte montre des personnes qui se marient. Alors, je le souhaite pour certains, en tout cas, voilà, pour tout le monde, si on peut vivre ça. Voilà, c'est juste que là, c'est vraiment pour nous dire que avec cette carte, voilà, il y a quelque chose qui va se résoudre dans une situation. On va trouver une solution suite à cette. Ces accusations, c'est... Ouais. Il y a eu un événement qui est tombé là avec la carte de la loi, on vous a accusé de quelque chose, c'est tombé comme ça sur vous, ça vous a coupé dans votre dans vos rêves, dans ce que vous projetiez avec cette personne, ça a mis tout. Ouais, ça a mis du retard sur des projets que vous aviez, en tout cas avec quelqu'un. Ouais, ça a tout stoppé, quoi. Mais en tout cas, ouais, il y a quelque chose. Ouais, et là, on parle bien de. Pour vous, encore avec cette belle carte, le miroir magnétique, quoi. On parle du consultant, de la consultante, là. On parle bien que vous allez célébrer quelque chose. Allez, encore trois cartes, s'il vous plaît, mes guides. Allez, trois cartes. Oups. Alors, la parole. Oui, il va falloir discuter. Il va falloir parler pour... Alors là, ce que je ressens, c'est... Oui, il y a des discussions qui arrivent, il y a une communication, mais... C'est vrai que là, c'est des personnes qui bavardent, qui parlent, qui se rassemblent. Mais là, pour moi, c'est plus une communication que vous devez avoir avec quelqu'un. On va vous donner la parole. Vous allez pouvoir vous exprimer. Vous allez pouvoir parler avec quelqu'un. Ouais. J'ai encore, voilà, la carte en dos de deck étranger. On peut nous parler effectivement pour nous confirmer que c'est quelqu'un qui est... à l'étranger ou d'origine étrangère, hein. Ça fait deux fois qu'on l'a en dos de deck comme ça. S'il vous plaît, mes guides, y a-t-il d'autres messages à me faire passer, s'il vous plaît? Encore deux cartes, s'il vous plaît, mes guides. Alors, hérédité. Ouais, et encore une deuxième comme ça. Je peux mieux, voilà, finir le tirage, s'il vous plaît, mes guides. Allez, s'il vous plaît, encore une carte. Alors, ouais, ben j'en ai plus qu'une. D'accord. Alors, j'ai le verdict et l'évolution. Alors, bon, déjà avec la carte de l'hérédité, bon bah bien sûr on peut nous parler de descendance, d'ancêtres. Il y a plein de choses, d'une succession, de quelque chose. Mais là je verrais plus, vous voyez, ça nous confirme plus que c'est une histoire du passé en fait. Non. Pour moi c'est plus ça. On nous confirme une histoire du passé. Et avec le verdict, voilà, ben, ça va tomber, quoi. Ouais. Ça va tomber et grâce à ça, vous allez pouvoir évoluer dans une situation. Vous voyez, ça, on grimpe, on monte les... Voilà. On voit les escaliers comme ça. Et ça va permettre justement d'avancer dans une situation du passé. Le fait de communiquer, vous voyez, avec cette carte-là en suivant, de parler avec une personne du passé, ça va nous permettre, voilà. Il y a un verdict qui va tomber de toute façon. Il y a quelque chose qui va tomber, mais voilà. Pour justement progresser. Voilà, ça va nous permettre vraiment peut-être aussi de délaisser un petit peu de ce passé qui est lourd
Pour avancer, j'entends. Ouais. Mais j'ai encore, vous voyez, un 2 de deck, j'ai encore cette carte. On parle bien de vous. Là, on parle bien de vous. Donc, vous allez pouvoir justement avancer, avancer, évoluer par rapport à une situation du passé qui est lourd et pesant, j'entends. Ouais. Alors, je vais prendre celui-ci, voir un petit peu ce qu'on peut nous dire de plus, s'il vous plaît, mes guides. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Y a-t-il d'autres messages? Ok, donc là, on nous parle de rentrée d'argent, mais on peut nous parler d'abondance, justement, quelque chose qui va arriver. Oups. Ouais, qui. Quelque chose. Ouais, parce qu'il y a eu une situation qui nous a rendu triste et on s'est senti, voilà, on s'est senti mal, mais en même temps, voilà, c'est quelque chose qui. J'ai envie de dire qui fait aussi battre notre cœur. Il y a une personne, que ce soit vous ou l'autre, vous ressentez quelque chose qui fait battre votre cœur pour quelqu'un. Il y a quelque chose comme ça. Allez, s'il vous plaît. Y a-t-il d'autres messages? Ouais. Alors. Ouais, donc vous êtes là. Hop. Ouais. Donc il y a quelque chose ouais, qui fait battre votre cœur. Mais la direction que vous allez choisir sera la bonne parce que vous avez voilà, la carte du soleil. Donc il y a vraiment la réussite sur une situation. Voilà. S'il y a un verdict qui tombe, c'est vous qui gagnez. Hein. Là, avec sa carte, c'est vous qui gagnez. Et vous allez enfin voilà, avoir la paix. Et vous allez être bien. Alors, toutes les personnes là, les accusations, les blablas, ce qu'on a pu voir tout à l'heure, des accusations, si on a parlé sur vous, tout ça là, hop, terminé quoi. La loi, le verdict va tomber. Donc, vous avez la victoire sur une situation. Ouais, la victoire sur des serpents là. Sur des serpents qu'on parlait, qui n'ont pas été. Ouais, et ça va être. Oh non, mais j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Je vais pas les prendre celle-ci. Allez. S'il vous plaît, Mickey. Y a-t-il d'autres messages à me faire passer pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo? Alors, ouais, voilà. Ouais. Là, avec la carte du lion, la force, voilà, vous n'allez pas vous laisser faire, en tout cas. Vous ne vous êtes pas laissé faire. Vous avez la force de surmonter une situation. Vous avez, voilà, vous allez, avec la pensée comme ça, vous allez voir les choses différemment, et vous allez célébrer quelque chose. Ouais, il y a quelque chose une histoire qui va se clôturer, enfin clôturer. Quand je dis ça, c'est que voilà, je vois vraiment les cartes précédentes avec le verdict, ça va tomber quoi. Mais c'est vous qui gagnez, c'est vous qui avez la victoire parce que vous êtes ce lion quoi. Voilà, vous êtes combatif, combative et vous allez réussir. Ouais. Encore, s'il vous plaît, mes guides. Y a-t-il autre chose, d'autres messages encore à faire passer pour toutes les personnes qui regardent ma vidéo? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a un jeune homme. Ouais, c'est la fin de quelque chose. Vous voyez, quand j'ai ça, c'est la fin de quelque chose, mais pour quelque chose de nouveau aussi, quelque chose qui s'arrêtait pour quelque chose de nouveau. Et là, on a un jeune homme. Alors, est-ce que. Voilà, il y a une différence d'âge entre vous, pour certains, ou il y a un enfant aussi, hein, dans l'histoire aussi. Il peut y avoir un enfant, soit vous, soit l'autre. Il y a un garçon, un jeune homme, une personne qui a un côté enfantin aussi. On me dit qu'il y a eu peut-être un côté immature aussi. Ouais, donc il y a eu une perte, on nous confirme sur une situation. Ouais, une perte. Mais voilà quoi, il y a toujours voilà
une attirance, voilà, on avait la carte de la sexualité tout à l'heure, ben là, voilà, c'est toujours le cas, hein, on est toujours attiré par cette personne, mais voilà, là on nous dit avec certitude, il va y avoir une communication qui va être faite entre, enfin, que vous allez avoir, hein, en tout cas, vous allez avoir des nouvelles de quelque chose, hein, de cette personne, vous allez pouvoir justement, ou de la situation en elle-même, et avoir la victoire sur quelque chose. Allez, s'il vous plaît. Ouais, et puis là, on nous parle, voilà, j'avais vu tout à l'heure avec la carte aussi de l'homme. Ouais, il y a eu une influence. Il y a quelqu'un qui a influencé la situation, la relation avec ce serpent. Cet homme-là, après, c'est une énergie masculine, hein, n'hésitez pas à échanger selon les situations de chacun. Nous sommes sur une guidance générale, donc ça peut être aussi voilà, une femme avec une énergie masculine, une polarité masculine. Mais voilà, en tout cas, voilà, ça a été des personnes ouais, qui qu'on parlait, en tout cas, qui se sont immiscées dans une situation. Elles n'auraient pas dû se mêler, quoi. Il y a des personnes qui n'auraient pas dû se mêler d'une situation. S'il vous plaît, mec. Y a-t-il d'autres messages? Allez. S'il vous plaît, mes guides. On peut nous dire de plus. S'il vous plaît. Ok. Bon, bah, là, on nous confirme avec. Avec la carte voilà du printemps, alors c'est soit ça va, voilà, il va y avoir encore un petit peu de temps qui va s'écouler, ça sera pour le printemps. J'aime pas dater, hein, c'est difficile de toujours dater, mais là avec le printemps, c'est qu'il y a aussi quelque chose voilà, de nouveau. Au printemps, tout fleurit, tout commence à fleurir. Donc c'est quelque chose de nouveau, quelque chose ben, voilà, qui va arriver en votre faveur en tout cas. Ouais. Voilà. Et ouais, bah, je pense que c'est pas forcément. Voilà. En même temps, le printemps, après, c'est pas beaucoup hein, d'ici le printemps. Mais en tout cas, là, avec cette carte aussi, on peut me parler de rapidité aussi. Hein. Donc peut-être que c'est juste, voilà, cette carte au niveau de la situation pour nous dire que voilà, ça. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui arrive, mais ou alors pour voilà, on peut nous parler effectivement de la saison du printemps. Peut-être que ça peut parler pour certains. En tout cas, il y a un commencement, une nouvelle période. Voilà. Ou alors, c'est des événements qui se sont passés au printemps aussi pour certains. Mais moi, ouais, je parlerai plus en tout cas au niveau d'une nouvelle période, en fait, un commencement, voilà, quelque chose de nouveau. Ouais. Tout ça pour débuter dans quelque chose de nouveau. Ouais. Ben voilà, je vais m'arrêter là. Bon, ben n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. J'espère que j'ai pu en tout cas vous aider, vous faire passer des messages. Et puis, n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et vous pouvez aussi cliquer sur la petite cloche de notification pour voilà, être averti à chaque fois que je poste une vidéo. Donc, ben, écoutez, je vais juste vous faire passer un dernier petit message, un petit conseil avec le petit oracle des fées. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Je vais mélanger un petit peu quand même, si elles veulent parler tout de suite. Hop. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Un petit message, un conseil pour toutes les personnes. Alors, nous avons l'appel des fées. L'appel des fées. Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Voilà.
Donc, ben écoutez, il faut toujours croire à la magie, il faut y croire. Si effectivement on devait se fier au tirage qu'on a pu avoir aujourd'hui, voilà, faut pas baisser les bras. Et en tout cas, il y a une situation qui va évoluer et dans le bon sens parce qu'on a vu aussi que voilà, la victoire était pour vous. Donc, il y a des belles choses qui arrivent. Donc, il faut tout, voilà. Comme diraient les fées, croyez toujours en la magie. En tout cas, moi, j'y crois. Gardez espoir sur une situation. Il y a des belles choses qui arrivent vers vous. Voilà. Donc, bah, écoutez, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter ma vidéo. Je vous embrasse très, très fort et je vous dis à très vite.